Vous partagez, vous partagez, vous likez, vous partagez, vous partagez. On est toujours en direct, voilà pour les zones. Vous partagez, vous partagez, vous mettez la caméra. Big Boy est signé, mais... Big Boy, l'homme de vérité, il a tout dit, hein. L'homme de vérité, Big Boy. L'homme de vérité, Big Boy. Big Boy, il a dit qu'il est là. Angel. Big Boy, quand on a nos parents, tu vas en abandonner là. Quand on a beau, on a pas beau, on a. Big Boy, Big Boy. J'ai là, j'ai là. Thank you.
comment va-t-on en fait. Il y a beaucoup de l'eau. 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 Il y a un an.
Thank you.
L'audience suspendue est reprise. Le hôtellement. Canada, Tchède. Wallonie, Bruxelles. Madame la vient de confirmer qu'il y aura la situation. Le tribunal estime que le suffisamment mené ainsi accorde la parole successivement aux partis civils pour leur conclusion. Madame la République démocratique du Congo. Massa. Nous avons tous suivi l'instruction. Nous avons écouté le paradoxe de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui pensent qu'ils vivent dans un paradis d'impunité où tout est permis. Ça fait plusieurs années, ou plusieurs jours, que notre province, ville province de Kinshasa, où la RDC est envahie par les criminels de Rwanda, qui pensent qu'ils ont le droit d'arracher, d'intimider, de voler, de tuer. C'est comme si nous ne sommes pas dans un état de droit. Faut-il laisser ces gens libres? Non. Nous disons non parce que partant des éléments soumis devant vous, il se dégage qu'ils n'ont pas mis à nier, ils ont accepté tout en bloc. Et lorsque ces gens passent devant vous, ils vous disent que non, oui, c'est moi qui est passé pour répéter X ou Y. Moi, je devais poser les actes. Lui devrait nous accompagner. Celle-ci devrait continuer à intimider les autres, les petits citoyens qui vivent dans ce pays, surtout dans notre capitale. Donc, c'est ça ce qui nous fait très mal. C'est ça ce qui fait que la République aujourd'hui pense à mettre d'autres moyens en dehors de ce que nous sommes en train de subir. Qui nous
connaît pas que la RDC est agressée. En dehors de ce que nous connaissons sur la terre de la région de l'Est, mais dans notre pays, dans notre capitale, nous sommes envahis encore par les personnes de Pékin. Ils sont plus que même ceux-là qui tournent aussi à l'Est. Votre honneur. Nous reverrons ce qu'il fait parce que nous devons, ça fait très mal, très très mal, surtout que nous voyons les groupes bien organisés où ils tentent à décharger cette dame pour dire que non, elle n'a jamais participé en pleine audience. Elle n'a jamais participé, elle n'a jamais posé des actes, mais elle n'est qu'une simple innocente. Mais lorsque nous nous sommes en train de faire des analyses, vous allez comprendre que si l'autre a cité, l'autre dit oui, nous connaissons. Donc c'est un groupe de malfaiteurs. On ne peut jamais à ce jour épargner qui que ce soit. C'est dans ce cadre que nous voulons demander aussi à votre tribunal de tenir compte de notre demande, de ne pas se laisser faire par des aventures. Les autres ils disent que Eliane n'a rien fait, elle est innocente. Donc s'il fallait condamner, nous assumons, vous devez nous condamner. Non, non. Nous revenons sur le fait. Il s'est passé que plusieurs années, et nous-mêmes qui sommes devant vous, et nos enfants, et nos parents, ils ont même témoigné pour dire que sur un système, vous les juges que vous êtes, il suffit seulement qu'on utilise un monsieur qui peut passer à côté de vous. Le monsieur là pourra avoir le temps de récupérer tout ce qui est dans vos poches. Est-ce que est-il normal de laisser de tel genre de personnes vivre aisément? Nous disons non. Nous disons non parce que nous sommes dans un pays de droit où l'État doit faire son travail, où la RDC tente toujours de sécuriser. Merci beaucoup, Président. Nous disons que les choses se passent outre. C'est comme si nous ne sommes pas dans un pays de droit où tout est permis. Mais si, du fait que nous devons aborder aussi le fait de droit, c'est comme ça que nous demandons avec votre autorisation sur le fait même, avec votre autorisation, que notre confrère qui a mis tout de suite ce matin. Merci, Monsieur le Président, honorable juge, Monsieur l'organe de la loi. Nous avons suivi avec attention l'exposé de tout à l'heure. Nous avons suivi avec attention l'instruction qui a clairement établi l'existence des infractions à l'endroit de prévenus ici de Ferret devant vous. Monsieur le Président, pour soutenir nos intérêts civils, il est de droit que ces faits soient d'abord établis pour que nous puissions justifier de la faute, qu'on démontre les dommages et qu'on établisse les liens de la faute au dommage. Et vous avez été suffisamment, je vais dire, éclairé par l'instruction de tout à l'heure qui a clairement démontré que, effectivement, il existe bel et bien une association de malfaiteurs avec un chef de groupe et des individus avec des tâches bien précises. Nous n'allons pas aujourd'hui, Monsieur le Président, rentrer dans la distraction selon laquelle les criminels qui constituent cette association veulent se disculper entre eux pour le besoin de la cause. Il est établi clairement, Monsieur le Président, qu'ils se connaissent par rapport à leurs crimes. Ils ne se connaissent pas comme des garçons du quartier qui grandissent et qui développent des relations. Chacun vous dit, moi j'ai été recruté, moi je suis venu à cause de l'autre. Comment comprendre que de cette association, certains deviennent innocents
Certains disent n'avoir... Monsieur le Président et honorable juge, ils reconnaissent eux-mêmes tous. Nous avons volé. Nous avons braqué les gens. Nous avons fait ceci, cela. On a fait des opérations autant de fois. Qu'est-ce qui reste encore? Pour des gens qui reconnaissent le fait qu'ils ont commis, ils reconnaissent qu'ils ont engrainé la République. Aujourd'hui, tout le monde a peur de se promener la nuit. Voilà. Les gens hésitent à prendre des taxis. Voilà. Les gens préfèrent quitter les lieux très tôt pour rentrer à la maison. Ils sont dans leur propre pays, mais ils ne savent pas vivre. Et c'est la République qui est visée. Qu'est-ce que le chef a fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que la République fait? Tout ça à cause de ces criminels. Monsieur le Président, honorable juge, monsieur l'organe de la loi, il est à ce jour l'occasion, monsieur le Président, de vous distinguer par des condamnations exemplaires. Tous les Congolais attendent des sanctions exemplaires. Les Congolais nous regardent. À travers la République, ils ont besoin que ce phénomène d'enlèvement, que ce phénomène de kidnapping, que ce phénomène de vol des Koulouba cesse complètement. Voilà. Cela cessera, monsieur le Président, quand vous aurez sanctionné sérieusement cette équipe ici devant vous. Le dommage, il est énorme, monsieur le Président, parce que ces gens font tout ce qu'il faut. Notre peuple est dans le deuil. Et la République postule effectivement pour des dommages intérêts. Parce qu'il est établi qu'il y a une faute. Les dommages, il est incommensurable, incalculable. Et donc, monsieur le Premier Président, la République voudrait qu'une réparation civile, une réparation qui soit à la dimension de leur crime. Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur le Président, que la République a dépensé de l'argent. La République paye le flic. La République mobilise la police. La République mobilise les services de renseignement. Et c'est beaucoup d'argent qui sont mis en jeu par les gouvernements de la République pour traquer ces gens. Et maintenant que nous les avons, monsieur le Président, maintenant que nous avons ces gens devant vous, au-delà de la réparation, par rapport aux victimes qui vous ont été présentées, monsieur le Président, vous condamnerez ces gens aux dommages et intérêts qui équivalent 100 millions de dollars américains et vous ferez justice. Nous avons dit. 50 ans. Monsieur le Président. Non, mais encore, mais non. Oui, non, s'il vous plaît. Non, mais nous avons dit. Non, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la parole est encore notre terre. Gagnons le temps, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est la République qui en pâtit le plus. Oui, mais est-ce qu'il y a encore à dire? Elle est en deuil, elle devient de plus en plus. Est-ce qu'il y a encore à dire? Bien sûr, voilà pourquoi nous sommes au micro. Attendez, mais attendez. Le tribunal vous fait observer que vous postulez pour vos intérêts civils. Votre confrère s'est basé sur l'article 258 Code civil congolais livre 3 qui pose les trois conditions cumulatives pour qu'il y ait la responsabilité à qui il y ait. Il s'est étalé longuement sur la faute. Il a développé le préjudice, il a démontré le lien de causalité qu'il y a entre la faute commise en amont et les dommages subis en aval. C'est suffisant, s'il vous plaît. Monsieur le Président, même lorsque la chair est mangée, la moelle épinière existe. On ne va donc de soi. Parce que vous insistez, le tribunal vous accorde une minute. D'une façon tacite. De ne pas vraiment me laisser parler, qu'à cela ne tienne, puisqu'il s'agit d'une minute. Alors il ne reste plus qu'à remercier
le chef de l'État pour sa vision de l'État de droit, à remercier le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour cette occasion en or, une première qu'il donne à la République, mais laquelle occasion, c'est pas un défi à votre tribunal, parce que dans ce pays, on accuse les magistrats de toujours libérer les gens de ces genres. À chaque instant qu'ils sont arrêtés par la police, ils sont libérés par la suite par le magistrat. Ils ont même dit le prix. Voici les défis que vous êtes appelés à relever à cet instant en les condamnant durement et surtout aux dommages à intérêts à titre exemplaire pour que plus jamais dans ce pays, les gens s'évertuent à chercher à trouver l'argent devant les forfaits jusqu'au sacrifice suprême. Dieu vous interpellera, Monsieur le Président, qu'il vous a investi du pouvoir et de la justice de César sur la terre. Et donc, ne pas faire ce que la République réclame serait contrevenir aux acquis dont Dieu vous a doté. Nous vous remercions. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Nora Pella pour ses conclusions. Merci de la parole. Madame Nora Pella, ici par son conseil, Maître Gaston Christian. Monsieur le Président, les faits tels que présentés par Madame Pella, qui d'ailleurs a été la première personne à prendre la parole par rapport au tribunal, ces faits ont corroboré avec l'instruction de cette cause. Madame Nora, tout ce qu'elle a relaté, avoir subi, ont des liens directs avec le comportement criminel des prévenus ici par devant vous. Donc, il n'y a pas lieu à douter sur les faits tels que présentés. Voilà pourquoi Madame Nora, en s'accrochant à la bien plaidoyer de la République sur l'analyse de l'article 258, vient s'accrocher à l'action du ministère public pour réclamer en guise de restitution des biens estorqués, notamment $600 américains, $35,000 congolais, un téléphone iPhone 11 Pro Max, un téléphone Samsung S20, une montre en argent, une perruque Cabello, une bague en garantie, des boucles d'oreilles en or, un sac à main contenant des cartes bancaires ainsi que les deux téléphones précités. Cette réclamation pèse sur le dos des cieux Ngala Lomama Christian ainsi que Nyati Mamboa Jean qui ont joué les rôles respectivement des conducteurs de voitures quêtes et des transportés qui plus tard deviendra les kidnappeurs. Monsieur le Président, outre la restitution des biens estorqués des forces, il y a eu des menaces physiques, il y a eu des coups et blessures qui ont entraîné aussi des préjudices parce que Madame Nora devrait se faire soigner de la suite de toutes ces menaces. Elle a déboursé de l'argent pour consulter son médecin, pour s'acheter des produits médicaux. Tout cela pouvait aussi s'énumérer en termes d'argent. Voilà pourquoi elle réclame aussi une réparation pécuniaire d'une valeur équivalente en francs congolais à $5,000 américains à supporter in solidum, l'un à défaut de l'autre, parce qu'elle a agi en participation criminelle. En faisant cela, vous rendrez justice, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Grâce Mboya Kamika pour ses conclusions. Merci, Votre Honneur, pour la parole accordée. Maître. Votre Honneur, Président de la Chambre, nous demandons la composition, ministère public organisé.
Votre Honneur, nous ne serons pas longs, nous allons être le plus bref possible, parce que les faits sont si clairs, et la faute n'est même pas à chercher, parce que les prévenus sont passés à l'aveu. Aucun d'eux n'a nié avoir commis des forfaits au mois de juin. Personne d'entre eux n'a nié avoir commis ces forfaits d'enlèvement à la date du 8 juin 2023. Ils se reconnaissent entre eux et ils reconnaissent avoir fait cela. Vous constaterez que pendant l'instruction, ils ont même démontré le rayon par lequel ils commettent ces forfaits. C'est entre le boulevard du 24 juin et 30 juin. Attention aussi vers le cimetière de la Gombe. L'arrêt où la victime Poya Grâce a été enlevée. Votre Honneur, puisque nous sommes partis civils et nous savons que le ministère public va accueillir la condamnation à la peine de mort, il ne vous est pas interdit. Vous juges, vous pouvez aussi les condamner à la peine de mort, malgré les moratoires. Nous savons que c'est le travail du ministère public, mais comme partie civile, nous réclamons les dommages et intérêts. Et pour obtenir ces dommages et intérêts, il faut prouver la faute. La faute, c'est quoi? La faute, c'est le fait que le prévenu ici présent, en l'occurrence Christian Ngala Lomama, le Femme Bolaya Splendide, et puis Simba Kibangu la bienvenue, ont enlevé Madame Mboya Grâce. C'est ça la faute. Ils l'ont enlevé, lui privant même de son droit d'aller et de retour, lui privant de sa liberté. Ils lui ont enlevé. Non seulement enlevé, ils lui ont dépossédé de tout ce qu'elle avait. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont même réclamé une ration pour qu'il soit relâché. Donc si aujourd'hui Madame Grâce n'est pas encore entre leurs mains, c'est parce qu'elle a été relâchée après avoir payé la caution de 1 200 $. Telle est la faute. De cette faute-là, il y a de préjudice. C'est quoi le préjudice? Votre Honneur, aujourd'hui, Madame Grâce a été dépossédée de boucles d'oreilles d'une valeur de 200 $, à part les boucles d'oreilles, une chaînette en or d'une valeur de 150 $, trois bagues d'une valeur de 150 $, la somme d'argent de 100 $, plus 1 272 000 francs et un iPhone 11 d'une valeur de 550 $. Elle ne s'est plus entrée en possession de ses biens. Lui qui devait en jouir, il en a acheté, elle en a acheté plutôt pour en jouir. Aujourd'hui, elle est privée de cela. Non seulement ça, on est allé même à toucher au patrimoine de sa famille, demandant la ration de 1 200 $. C'est ça le préjudice qu'elle a subi. Outre ses préjudices financiers ou pécuniaires, elle a été tabassée. Pour que sa famille puisse donner l'argent, elle a été tabassée. Aujourd'hui, il faut constater son absence. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait même plus se déplacer. Elle a de mal de dos. Elle ne sait plus marcher avec ses pieds. Des fois, elle dit, je ne ressens même plus mes pieds depuis ces jours-là. Vous constatez son absence aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle devrait aller à l'hôpital. Et si elle est allée à l'hôpital, c'est parce qu'il y a eu ces prévenus que nous avons cités qui lui ont causé préjudice. Votre Honneur, le lien de causalité entre la faute et le préjudice, c'est de par leur enlèvement, c'est de par les coups donnés par ces prévenus à la victime Grâce qu'aujourd'hui, elle a du mal de dos. Elle doit consulter des avocats pour la représenter afin de réclamer des préjudices et intérêts en son nom. Non seulement ça, elle doit continuellement aller à l'hôpital. Parce que depuis ces jours où elle a été libérée jusqu'aujourd'hui, elle ne fait qu'aller à l'hôpital. Il y a toujours des examens qu'on lui demande de faire suite aux douleurs qu'elle continue à ressentir. Votre Honneur, le préjudice est énorme. Les dommages sont incalculables.
aujourd'hui c'est le dos et le jambes. Demain après, quand il y aura de l'argent, vous mettre en conséquence de en conséquence de votre honneur, nous sollicitons la maudite somme qui ne va même pas réparer tous ces préjudices de l'équivalent enfant congolais de 1 million de dollars et la restitution de tous les biens que nous avons ci-après cités. Faire cela, vous ferez non seulement les droits, mais vous allez aussi rendre justice, nous avons dit. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Ngenja Balafundi Eli pour sa conclusion. Major, les amis, au sein du tribunal, a condamné le père de mon n'est a coupé. A pour moi payer. Parce que si on a signé Mongo, Mongo est posé sa main à terre. Et mon gars, il faut contribuer la vie à mon langage. Oyo, la tangi seti a eu diplôme d'état à commis mon langage. Attends, mon petit amour, c'est quoi mon argent gâté? La seule bouddhaï, la seule l'état à bon mélanga payé, n'est pas commis mon langage. Le tribunal vous remercie. Le tribunal appelle la partie civile Kwanga Mabaya Benjamin. Kunga Mabaya Benjamin. Kunga. Kunga Mabaya Benjamin. Je suis en tribunal. Je suis en tribunal. Dommage intérêt. C'est un bon bouquet. Il y a 1 million de dollars, il y a 6 000 dollars. Il y a 1 million de dollars, il y a 5 000 dollars. 6 000 dollars, 500 dollars. Le tribunal vous remercie. Le tribunal appelle la partie civile Yeli Griffin. On sait que la tribunal est là. Bon, hello, on sait que la tribunal va jouer sur un grand moto dans la rue. Dommage intérêt. TVS noir type 100. TVS noir type 100. Le tribunal vous remercie. Ainsi, il passe la parole à l'organe de la loi pour ses réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre de la composition, nous avons subi les débats. Mais de prime abord, Monsieur le Président, au regard de ce qui a été déposé lors de l'instruction, je voudrais de prime abord demander au tribunal, par rapport au dossier de la partie civile Mboula, nous avons suivi ensemble les débats. La partie civile a soulevé les problèmes de ce qu'ils considèrent comme étant meurtre ou assassinat de sa fille. Mais cependant, à ce stade, nous avons des éléments qui ne nous permettent pas de l'accompagner dans l'instruction en ce qui concerne la dite infraction. Nous estimons que les faits s'étant produits longtemps et qu'un dossier est ouvert au parquet,
au regard des pièces produites, il y a lieu que le tribunal puisse procéder à la disjonction afin de permettre qu'une instruction approfondie s'efface et que le dossier ouvert au parquet, qui regorge certainement des éléments, soit comparé aux éléments produits et également une descente sur terrain pourra nous éclairer encore davantage. Au regard des pièces produites, des photos produites en photocopie, cela ne peut pas permettre à votre tribunal de pouvoir se prononcer. D'où nécessité de pouvoir disjoindre les poursuites par rapport à cette demande. Cela étant dit, Monsieur le Président, je voudrais également, avant de présenter les faits, revenir à la déclaration de la partie civile République démocratique du Congo. Votre tribunal, c'est un tribunal de la République. Vous êtes les magistrats de la République. Et tout au long de l'instruction, nous avons suivi les prévenus. Et lorsqu'on parle des repris de justice, ce sont des personnes qui ont été effectivement condamnées. Et ils l'ont dit devant votre tribunal. Donc il ne faudrait pas que le parti se serve de ces éléments pour amener votre tribunal à forcer une porte qui est déjà grandement ouverte, puisque les magistrats de la République sont là pour travailler pour la République et rendre le jugement dans l'intérêt de la population. Cela étant dit, les prévenus ont été traduits et ont été traduits devant votre tribunal en procédure de flagrance. Puisque nous estimions au regard de faits qu'ils se sont rendus coupables des infractions d'association des malfaiteurs, d'extorsion et également d'enlèvement, arrestation ou détention arbitraire. Et l'instruction a révélé que les prévenus qui sont passés aux aveux, qu'ils opèrent en bande organisée, et au-delà de ce qui a été déclaré, Monsieur le Président, puisque votre tribunal a estimé être suffisamment éclairé, nous aurions dû demander, nous demandons également à votre tribunal qu'avant de pouvoir se prononcer et de se rendre compte réellement des aveux des prévenus, d'aller consulter les sites Liloli 018 TikTok, où vous allez vous rendre compte que les personnes devant vous se connaissent depuis. Et vous verrez que les personnes, je dis bien toutes les personnes, y compris la prévenue, contente aujourd'hui de pouvoir soustraire des poursuites ou d'une condamnation de votre tribunal, festoyer, fêter les gains de crimes qu'ils commettent. Monsieur le Président, membre de la composition, des fêtes, des danses, je dis bien tous, ils se connaissent. Ce sont des amis, ce sont des membres de famille. Et ils l'ont avoué et ils sont passés aux aveux. Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez constaté également ce que nous avons dit dès le départ, que par rapport aux différentes parties civiles, un seul modus operandi. Ils se sont organisés
et vous avez vu la répartition des tâches telles qu'ils se sont détaillées. Et vous avez même remarqué que Big Boss, Big Boy, prenant la parole, Bidou, prenant la parole, a dit voilà, lorsque X n'est pas là, on recourt à Y pour faire le même travail, tenant compte de leur masse corporelle. Il vous a dit par Anthony, comment est-ce que le travail se faisait? Au volant, une fois que l'appât est lancé et qu'une victime mort, il entre, il suffit de tousser pour donner l'ego à celui qui est derrière pour neutraliser la victime. Et c'est ce qui a été dit par la partie civile. Mboya, elle a expliqué comment est-ce qu'ils opéraient. C'est ainsi que Lola Mbela, race Mboya, Mabaya Benjamin, Iyeli ont été victimes des comportements des prévenus. Ils ont été enlevés pour la boulevard. Et vous avez suivi que c'est sur le boulevard, 24 novembre, 20 bandales qu'ils ont l'habitude de pouvoir d'opérer. Au-delà de cela, Monsieur le Président, membre de la composition, il a également été démontré que les prévenus, outre l'enlèvement, outre l'association des malfaiteurs, outre l'extorsion, ils se sont également rendus coupables de l'infraction de vol, puisqu'ils entrent dans les maisons, et il a même dit qu'il aimait bien les maisons à l'étage, où il était à l'aise lorsqu'il opérait nuitamment. Ah, maître. Big Boss vous a dit à Lemba, plusieurs maisons, puisque c'est un natif de Lemba, il connaît bien la configuration des maisons à l'étage, et c'est comme ça qu'il opérait. Nous n'allons pas nous attarder sur les faits puisque les partis, vous avez les prévenus, eux-mêmes vous ont relaté ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ces comportements constituent l'infraction d'association des malfaiteurs. L'article 156 du code pénal congolais dispose excusez-moi monsieur le président, je vais me retrouver dans mes papiers ici. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par les seuls faits de l'organisation de la bande. L'association des malfaiteurs, qui est également appelée, qui est une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, est prévue par les prescrits de l'article 156. Elle peut être définie comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Et dans les cas sous examen, Monsieur le Président, ils sont là les prévenus
ils se sont mis d'accord pour commettre les infractions que nous avons citées ici haut et que nous allons détailler. Pour sa réalisation, il requiert des éléments constitutifs. Cette infraction consiste à participer au groupement visé par la loi. Il est précisé les caractères que doit revêtir ces groupes, ces groupements. 1. L'association des malfaiteurs existe par le fait, le seul fait de l'organisation. Et là, il a été démontré que cette association existe. Pour que elle existe, il faudrait une certaine permanence. Mais la permanence en question n'est pas absolue, même si dans les cas sous examen, on vous a dit que c'est depuis des années qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent depuis des années. Et on vous a même donné des dates depuis 2019, pour certains, depuis 2020. Et sur ce plan-là, il n'y a aucune discussion. Ils se sont réunis, Monsieur le Président, dans le but bien précis. Bien précis. On vous a expliqué, Anthony a expliqué, comment est-ce qu'ils se sont connus, comment ils s'arrangent. Non, écoutez, nous allons partir la nuit pour voler dans les maisons d'autrui, pour enlever, pour extorquer. Donc, une attente bien huilée entre eux. Monsieur le Président, membre de la composition, l'élément moral par rapport à cette infraction existe simplement par le fait de cette volonté de délinquer ensemble et se mettre ensemble pour pouvoir délinquer. Cette intention de se mettre ensemble pour pouvoir commettre des infractions. Et ils ont agi en connaissance de cause. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et chacun avait un rôle et qui, in fine, savait qu'en retour, ça devait lui rapporter de l'argent. Monsieur le Président, votre tribunal est suffisamment guéri au regard des faits et de la petite démonstration ou petit développement que je venais de faire, je ne prendrai pas beaucoup de temps à votre tribunal. Donc votre tribunal constatera simplement que cette infraction d'association des malfaiteurs est établie à charge de tous les prévenus. Ainsi, vous les condamnerez au maximum de la peine. C'est-à-dire la peine de mort. Merci. Voilà. Pour ce qui est de l'infraction d'enlèvement ou association de détention arbitraire, il est prévu à l'article 67 et puni d'une servitude pénale d'un à 5 ans. Celui qui par violence, ruse ou menace a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans. Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez suivi. Comment est-ce que Madame Lola Buela, comment est-ce que Grace Boya, et les autres ont été pris de force
alors qu'il croyait innocent mort, prendre un taxi pour se rendre, je ne sais où, dans leur domicile ou chez des amis. Ils sont montés dans les taxis et ils sont tombés sur les prévenus. Et il vous a été démontré comment est-ce que les victimes sont neutralisées. Une violence inouïe qui a même amené la prévenue réelle de pouvoir renoncer à cette activité qu'elle s'était engagée avec les autres. Et Madame Grace Boye également vous a démontré comment est-ce qu'elle a été neutralisée alors qu'elle était grosse. Et elle vous a dit qu'elle a failli même perdre connaissance. Et si cela était arrivé avec à son état une femme grosse de plus ou moins 5 mois, ça aurait pu être fatal. Monsieur le Président, membre de la composition, vous diriez également que l'infraction prévue par l'article 67 est établie, et d'autant plus avec circonstances aggravantes, c'est-à-dire la torture, la violence exercée. Et ainsi également, vous direz, cette infraction établie en fait comme en droit, à charge de tous les prévenus, et vous les condamnerez au maximum de la peine, soit 20 ans. Pour ce qui est de l'infraction d'extorsion,